This is Annabelle Gubberty and you are listening to Lawfully Creative, my podcast to talk with professionals in the creative industries to hear their stories, what inspires their creation, what decisions change their careers, what relationships influence their work. Today's episode is brought to you by Profovi, our London and Paris-based law firm focused on advising the creative industries. Subscribe to our podcast, Lawfully Creative, or catch up with our original shows on iTunes, Spotify, Deezer, Stitcher, YouTube, Anchor, and many more podcast aggregators and platforms. Please do leave a review and rating about our podcast to encourage others to discover our curated content. Thank you. Bonjour, Annabelle. Attendez, vous m'entendez? C'est parfait. Ah, très bien, parfait. Désolé. J'avais envoyé un message sur Insta en disant « En train d'attendre mon zoom, voilà. Mon colleague. Comment ça va ?» Elles sont belles, les plantes. Elles sont belles, les plantes. Hein. Ouais, merci. C'est très chic. C'est l'un des plus beaux fonds de zoom que j'ai vu depuis longtemps. Ah, c'est adorable. C'est bien dire, voilà. C'est pour ça qu'il fallait que je rentre à Londres, parce que sinon, je savais qu'elles avaient été crevées. Et attendez, vous n'avez pas tout vu. C'est du balcon. Attendez, je vous montre. Ah ouais, ah, génial. C'est dans quelle partie là de Londres? Non, parisien, tout simplement, ouais. Directement et classiquement. Et les parcs parisiens sont fermés à Paris? Ah oui, tout est fermé, mais par contre tous les commerces rouvrent un peu. Là, on est sur quand même cette optique là. Et moi, je suis dans un quartier plutôt sympa, donc. Aubercamp. Bastille, c'est ça? Ouais, entre République et Bastille, ouais. Ah, et l'Est parisien, donc c'est sympa. Donc j'ai vu en fait, Antoine, que vous aviez vraiment plusieurs casquettes, notamment que vous étiez bassiniste, plus aussi donc, journaliste, ça je le savais, puisque vous m'avez donc interviewé à deux occasions hein, dans le cadre d'articles en droit de l'art, et aussi écrivain. Donc, en fait, je me suis dit, mais quel homme éclectique, c'est rare. Et donc, je voulais un peu commencer peut-être par l'aspect musical, si c'est OK pour vous. Bien sûr. Bon, parfait. Merci. Alors, donc, j'ai cru comprendre en fait que vous pratiquiez toujours le basson en tant que professionnel, parce que j'ai vu là, par exemple, qu'il y avait un article, un concert, excusez-moi, avec une jeune flûtiste japonaise. Dans lequel vous étiez donc duettiste, je crois qu'on dit ça comme ça, Stockenheim raconté aux enfants, qui a malheureusement été annulé à cause probablement de l'épidémie et du confinement. Donc je me dis que si vous jouez avec Madame Murakami, c'est que vous êtes donc toujours professionnel, bassoniste professionnel. Bien sûr, complètement. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir plusieurs vies. Je trouve déjà qu'a priori, si on n'a qu'une de vie, on ne sait pas grand-chose, mais a priori, c'est relativement court, donc il faut profiter. Et évidemment, moi d'emblée, j'ai eu plusieurs passions en fait, quand j'étais adolescent, la musique, et notamment la musique classique. Alors ça, c'est assez rare quand on est ado et qu'on adore, qu'on surkiffe des symphonies de Beethoven ou de Mozart, et c'était mon cas, mais pas du tout dans une optique... de déifier le passé, mais plutôt parce que je trouvais que c'était plein d'énergie, plein de couleurs, et que c'était juste absolument fantastique. Et puis en même temps, j'avais effectivement cette passion d'emblée pour le journalisme. Et c'est ça qui m'a fait aller étudier et puis devenir professionnel dans, on va dire globalement, ces deux secteurs. Et ces deux métiers qui ont d'ailleurs un lien assez évident, en tout cas... Non, on n'en est encore pas là. Là, pour l'instant, on va se focaliser sur l'aspect musique. Donc, ce que vous êtes en train de dire, vous avez parlé de couleurs. Merci en tout cas pour vos réponses. Mais je voudrais juste parler de votre bassoniste. Donc, vous avez parlé de couleurs. Donc, en fait, quand vous étiez enfant, vous voyez des couleurs quand vous écoutez de la musique, notamment classique. C'est ça que vous êtes en train de dire. Alors, il y a effectivement il y a ce phénomène-là, notamment de synesthésie. Il y a un compositeur comme Alexandre Scriabine, un compositeur russe, qui était passionné par cette alliance entre couleurs et notes et musique, notamment le poème de l'extase, le poème du feu. Alors, c'était pas complètement mon cas. J'avais des amis qui m'envoyaient, qui pouvaient entendre un ré, c'était bleu, le mi, c'était violet, et ainsi de suite. J'ai déjà entendu ça. C'était plus, quand j'entends le mot couleur, c'est plus dans une dimension, on va dire, plus large, presque un peu métaphorique,
mais de quelque chose qui est absolument pas terne, c'est-à-dire que c'est un festival. Les instruments, par exemple, d'un orchestre symphonique, moi j'adore en particulier la musique symphonique, et bien l'addition de tous ces instruments, les cordes, les vents, les percussions, ça crée un monde sonore à proprement parler, qui est fantastique, qui est, à mon sens, prodigieux. Et c'est pour ça que, après avoir fait un petit peu de piano, ce qui est assez traditionnel comme choix d'instrument. Moi aussi, j'ai commencé par le piano. Avant la flûte traversière, n'est-ce pas? À un moment, il y a pendant quelques années, j'ai fait les deux, en fait, quand j'étais adolescente. Et puis, bon, après, je suis allée vers mon inclinaison, puisqu'en plus, moi, je suis gémeaux, donc signe de l'air, et la flûte, pour moi, c'était parfait. Mais j'ai fait les 4 ou 5 ans de piano, ouais. Donc, on commence tous par le piano, ça, c'est la flûte traditionnelle, mais c'est bien mieux, n'est-ce pas, Annabelle, d'aller vers les instruments avant. Au conservatoire, effectivement, vous étiez. Alors, donc, attendez, parce que j'ai vu, c'est bien, en plus, c'est formidable, et ça me facilite la vie, vous avez un profil Wikipédia. Ah, ben voilà, vous m'aviez dit que vous étiez de Strasbourg, donc vous avez effectivement, vous, donc étudié le basson au conservatoire de Strasbourg. Ben moi, j'ai étudié donc la flûte au conservatoire de Suresnes, dans le 92, où on était basé. La flûte et le piano, pardon. Donc, j'ai commencé par le piano pendant 3-4 ans. Et puis, au bout d'un deux ans de piano, je me suis dit, j'aurais bien su faire de la flûte. Et donc, je faisais les deux instruments. Puis, j'ai cours de solfège. Vous avez fait aussi les cours de solfège? C'est obligé. Malheureusement, ouais. Les cours de solfège sont obligatoires. Mais il faut sans doute beaucoup, et on est en train dans les conservatoires de repenser, évidemment, le solfège, qui s'appelle d'ailleurs de plus en plus, et qui s'appelle heureusement maintenant formation musicale. Et on est de quelque chose qui est un peu moins conservateur que ça ne l'a été, parce que souvent, ça a été quelque chose de rebutant pour les élèves. Et je pense qu'on a perdu beaucoup de vocations d'instrumentistes. Je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve que franchement, le solfège, ça permettait beaucoup de rigueur, ça permettait de comprendre, c'était un code. En fait, il faut comprendre le code, quoi. Et je trouve aussi que c'est aussi bien pour mieux comprendre les maths. Il paraît qu'il y a beaucoup de... Comment dire? Les gens qui sont bons en maths, en général, sont bons en musique. Et vice-versa. Et ça ne m'étonne pas. Pardon? Moi, j'étais assez mauvais en maths, hein, par contre. Mais non, mais bien sûr, il y a notamment cette dimension scientifique, hein, qui a été théorisée notamment par les anciens, Pythagore notamment, et vraiment qui voyait rapprocher l'architecture et la musique, et dans une assez mathématique. Effectivement, c'était vu comme une science. Il y a une fantastique construction, hein, dans la musique. Tout à fait. Et justement, je trouve que le solfège, ça te permet de comprendre les codes, quoi. Il faut comprendre tous ces, je crois qu'on dit les messes, hein, les mêmes, pour avant de, enfin, il faut comprendre le code, quoi, avant de pouvoir commencer à voler ses propres ailes et donc bien savoir interpréter. Et donc, après, je vois que vous êtes allé au conservatoire. Donc, excusez-moi, vous avez fait du piano pendant quelques années et après, qu'est-ce qui s'est passé alors? Et ben après, j'en avais marre de jouer seul, déjà, je pense, parce que le piano, on est cantonné à une pratique assez solitaire. J'avais une prof, comme malheureusement trop souvent il y a pu avoir dans le piano et dans les cours individuels, un petit peu rigide. Ouais, pareil pour moi. Hein. Alors que si la musique classique, elle souffre d'une image parfois un peu vieillotte ou élitiste, malheureusement, et je dis ça alors que j'adore ce répertoire, mais c'est parce qu'il y a des raisons, bien évidemment, sinon il n'y aurait pas cette image. Donc, évidemment, c'est une chose qui évolue de plus en plus, Dieu merci. Mais donc, il reste. Le basson, vous commencez à quel âge alors? Alors, le basson, j'ai vers 7 ans. Ah ouais, d'accord, vous avez commencé super tôt, mais vous avez commencé à quel âge le piano? J'ai changé le piano vers 4-5 ans, quelque chose comme ça. Et le basson, c'était vraiment un coup de foudre en voyant un orchestre, un concert d'orchestre symphonique. Alors, si je considère bien le basson, parce que, enfin, je veux dire, c'est pas du violon, quoi. Là, tout le monde peut voir. Non, c'est pas le basson. Le basson, c'est donc un instrument, donc avant, bien sûr, mais qui est aussi très très grave dans une tessiture grave, si je me souviens bien. Et on en joue comme ça, là. Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. D'accord. Et comme on l'a dit, le basson, effectivement, le son est grave, c'est l'instrument le plus grave de la famille des bois. D'accord. Et c'est un instrument étonnamment méconnu.
Je dis étonnamment parce qu'il faut penser qu'un compositeur comme Vivaldi, par exemple, l'auteur des Quatre Saisons, il a écrit 37 concertos pour basson, le plus grand nombre après le violon. Mozart a écrit un magnifique concerto pour basson, et ainsi de suite. C'est-à-dire que les plus grands compositeurs ont écrit pour cet instrument, qui a été magnifié notamment. Disons que ça permet de jouer la basson, le mot y est à l'intérieur, c'est la basse, quoi. C'est l'instrument de basse au niveau des vents, qui permet de tenir le rythme. De l'orchestre, et en même temps, c'est un instrument qui va avoir aussi un registre plus aigu, expressif, vocal, avec une énorme expressivité, une grande tendresse. Bref, c'est un instrument magnifique, évidemment. Fascinant, hein. Et c'est en voyant un ensemble joué, je sais pas si c'est un ensemble d'instruments avant ou c'est un ensemble tout. Un orchestre symphonique, tout simplement, un orchestre symphonique, et dedans, il jouait une symphonie de Mozart, et je connaissais le nom de tous les instruments, sauf d'un de ces instruments, et c'était le basson. Et à la fin du concert, je suis allé voir le musicien qui en jouait, on a discuté, il était aussi professeur au conservatoire, hein. Elle s'est déroulée à Strasbourg, et donc je suis rentré au conservatoire de Strasbourg de cette manière. Donc vous vouliez jouer celui-là, cet instrument. J'avais cette envie parce qu'il était bien avant, parce que je ne connaissais pas, et j'avais peut-être cette envie, cette curiosité en tout cas d'aller vers ce que je ne connaissais pas. Vous voyez mon frère qui a Benjamin Goberti qui a un an de moins que moi, donc c'est lui qui a, je crois que c'était lui qui avait commencé à faire de la musique au tout début dans la famille. Alors lui il a choisi la clarinette. Je crois qu'il avait essayé un autre instrument mais ça lui plaisait pas pendant une ou deux semaines, et puis finalement il a choisi la clarinette et il a carrément fait son service militaire au fort de Suresnes, là où il y a toute une harmonie ou je ne sais quoi. Donc, comment? Oui, je vois très bien. Ouais. Voilà, il a fait tout son au Mont Valérien. Voilà, c'est ça, au fort du Mont Valérien où il y a en fait tout un orchestre, etc. Donc il a fait tout son un an de service militaire. Enfin, donc je veux dire, il a été à un niveau très élevé, Ben, clarinette. Et puis moi, donc, je vous dis 4 ans de piano, et puis après, j'ai préféré évoluer vers la flûte. Le plus jeune, Timothée, donc, il y a à peu près 12 ans de différence avec nous, mon deuxième frère, donc lui, pour le coup, que le piano. Mais voilà. Donc, très bien. Alors, entre vous, après, donc, je vois que vous êtes allé au. La prochaine fois, on jouera, il y a un magnifique compositeur brésilien. Hector Villa-Lobos, qui a écrit un duo pour flûte et basson. Qui est oh là là! Il est dans la musique de Bach et la musique de Bach. Mais je crains de. Comment dire? J'ai un beau son, mais je ne bosse pas assez la flûte, pour être très honnête. Donc, je crains de ne pas être vraiment. Bon, faudrait que je me prépare bien avant, alors. Mais pourquoi pas? Ouais, ça me dit bien. Tu dois donner le. Voilà, justement, ça peut être un bon lancement, un bon prétexte. Non, mais c'est excellent, c'est une excellente idée quand je remets les pieds à Paris. Alors, je vois que vous êtes carrément allé au Conservatoire National Supérieur de Musique à Lyon, et donc premier prix en 2004, toutes mes félicitations. Donc là, à côté, est-ce que vous étiez en train, donc vous destinez à être professionnel dans la musique, ou, enfin musicien professionnel, ou à côté, vous continuez vos études plus généraliste, dans la perspective de faire du journalisme. Antoine, comment ça s'est passé? Le CNSM, il y a deux conservatoires supérieurs en France, Paris et Lyon. Donc moi, j'étais à Lyon. Et ça, c'est vraiment une formation que j'ai intégrée à 18 ans. Et à partir de là, qui forme évidemment à une musicien professionnel. Et d'ailleurs, pendant ces années-là, j'ai obtenu un poste dans un orchestre à Limoges. J'ai obtenu un poste de prof de conservatoire à Chartres. Et donc, j'avais déjà une vie presque installée. Non, mais attendez, comment on fait ça? Parce que Limoges et Chartres, ce n'est pas à côté quand même. Donc, vous passez votre temps à faire des voyages? Exactement, beaucoup de voyages. C'est le propre d'ailleurs de la vie des musiciens. Et d'ailleurs, c'est mis un peu en suspens ces temps-ci. Et il faut d'ailleurs le repenser parce que là, on parle de voyage à courte échelle, mais on voyage beaucoup à travers le monde et sans doute aussi l'impact écologique doit amener à repenser un peu tous ces parcours. Mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, à ce moment-là, j'avais 20 ans et donc j'ai eu un poste de prof en orchestre, de prof au conservatoire, un poste en orchestre. Et puis j'ai toujours eu envie de faire d'autres choses. Je suis aussi allé vers les instruments anciens, c'est-à-dire retrouver des instruments qu'on pratiquait à l'époque de Bach, de Mozart, de Beethoven. Donc j'ai fait aussi une formation là-dessus. Puis je suis allé perfectionner aussi. Pardon, excusez-moi. Quoi, la viole de gambe? Enfin, de quels instruments? Alors non, toujours le basson. Les bassons de ces époques-là.
C'est-à-dire que maintenant, dans l'appartement, vous voyez l'une des pièces de mon appartement, et juste derrière, j'ai une dizaine d'instruments, une dizaine de bassons, donc des bassons de toutes les époques différentes. Vous les collectionnez ? Pardon ? Vous les collectionnez ? Et je les collectionne et je les joue même, surtout. Et donc, j'en ai voilà, une dizaine que je joue dans des orchestres sur instruments anciens. Par exemple, je viens assez souvent à Londres avec le... J'ai joué régulièrement avec l'orchestre révolutionnaire romantique et l'orchestre de John Lloyd Gardiner, ou l'orchestre de l'âge des Lumières et John Feinheimer ici, et donc voilà, et puis ailleurs en Belgique avec un orchestre comme Maïterna, et du coup d'orchestres français comme les Siècles, comme auparavant la Chambre Philharmonique ou l'orchestre des Champs-Élysées, enfin voilà, différents nombres de formations, parce que j'ai arrêté en fait mes postes fixes d'orchestre et de indépendant et de prof, voilà, outre-Manche chez vous, ma chère Annabelle, et, ouais. Et après ses études au CNSM, j'ai eu l'envie de réaliser aussi ma deuxième passion, le journalisme. Alors attendez, si j'ai bien compris, en fait vous avez arrêté vos postes fixes au sein de cet orchestre, si j'ai bien compris, à Limoges, et au sein donc de ce conservatoire où vous étiez prof, pour pouvoir vous consacrer au journalisme. J'ai bien compris, là. Et continuer la musique, mais de manière indépendante, c'est-à-dire de ne pas avoir un poste fixe, mais de choisir des projets, et de pouvoir évidemment les mêler de manière plus flexible, plus souple. D'accord. Et oui, parce que là, franchement, étant donné qu'en plus, ce n'est pas donc, des postes qui sont dans la même ville, enfin, ça demandait vraiment beaucoup de... Enfin, moi, alors, j'ai toujours adoré le train. Je suis un grand amoureux du... Alors, qu'est-ce qui vous a motivé, justement, de travailler avec cette jeune... Enfin, je crois qu'on peut l'appeler jeune fille, hein. Mademoiselle Murakami, qui en plus c'est marrant. Elle est de la même famille que l'artiste Takashi Murakami, qui est connu en art moderne ou en art contemporain, pardon. Une bonne question, je ne pense pas. Ah d'accord, je vais demander. Je devrais exactement. C'est une honte à moi qui adore aussi l'art contemporain. Je vais leur demander. Et elle est flûtiste au sein, on joue tous les deux dans le même ensemble, un ensemble qui s'appelle Line, et qui est basé à Strasbourg, justement. Cet ensemble, excusez-moi ? Il s'appelle Linea, L-I-N-E-A, et c'est un ensemble dédié à la musique d'aujourd'hui. Donc vraiment, on travaille avec des compositeurs contemporains vivants, ça c'est vraiment important, c'est tout un travail sur la création contemporaine, parce qu'en musique, c'est la grande différence avec l'art contemporain, parce que si l'art contemporain... Il remplit les musées, il fait des expositions qui marchent très bien, les gens se pressent pour voir Soulages ou Jeff Koons. Par contre, en musique contemporaine, c'est moins le cas. C'est une musique qui est réputée souvent plus difficile, plus austère. Et donc, à nous de la défendre voilà, d'autant plus. Alors, Stokozen, vous estimez que c'est de la musique contemporaine, ça ? Enfin, je crois que Stokozen, il est mort, il est plus vivant, il est plus contemporain, mais il est mort il n'y a pas très très longtemps. D'accord. Et c'est vraiment un langage moderne. Et on s'est dit, ben... montons un spectacle avec Keiko Murakami pour apporter cette musique-là. D'accord. Dans les écoles, alors pas école par école, mais en recevant des centaines de scolaires à travers des représentations. Et on a monté un spectacle avec un directeur et metteur en scène d'une compagnie de marionnettes, et on travaille sur cette musique. Et ce qui est fou, et ce qu'il faut vraiment redire, et ce qui est toujours rassérénant quand on fait ce spectacle-là, c'est combien le jeune public, il est souvent bien plus ouvert que ne peut l'être un public plus âgé en matière musicale, parce qu'il a les oreilles complètement vierges. Vous jouez, tous les deux vous jouez, vous-même et Mademoiselle Murakami, et à côté, il y a des marionnettes ? Alors, il y a tous des dispositifs, il y a vraiment, on s'est beaucoup inspiré notamment de ces techniques-là, il y a même de la calligraphie, il y a plein de choses, c'est tout un monde vraiment, vraiment poétique. Et nous, en tant que musiciens, on a dû faire un petit peu les acteurs, et ça, c'est très dur. Parce que ça, c'est vraiment un autre métier, et je ne pense pas être un très bon acteur, j'essaye d'être musicien déjà, mais en tout cas, c'est vraiment un autre challenge. Mais en tout cas, c'est très rassérénant, et je pense que c'est essentiel d'apporter cette musique, notamment contemporaine, mais auprès d'un jeune public, parce que notamment, on le voit en Grande-Bretagne, notamment les orchestres ont été très moteurs pour faire des grandes campagnes. Alors moi, vous savez, en fait, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Antoine, mais j'ai eu donc la grande chance et le plaisir de jouer de la flûte, tant en France qu'en Grande-Bretagne, à Londres. Hein. Et donc, quand c'était en France, et donc moi, je ne suis plus interprète, hein, je n'ai jamais fait de la composition, je ne sais pas pour vous, mais bon, moi, je suis essentiellement interprète, et comme je vous ai dit, complètement amateur.
Mais il y a à peu près, moi ça fait 16 ans que je suis à Londres, donc il y a à peu près 10 ans, j'ai décidé de rentrer dans un ensemble d'instruments à vent qui est donc amateur. Et je crois que les rehearsals, donc on se revoyait tous les mardis, etc., etc. Et ce que j'ai noté donc avec mes confrères flûtistes anglais, c'est qu'ils sont super bons pour le side reading, c'est-à-dire que tu leur donnes une partoche, une partition, ils sont capables de te lire ça immédiatement, de déchiffrer ça immédiatement, et ça tient la route. C'est, je veux dire, le tempo et le rythme est OK, et alors qu'ils viennent littéralement de voir juste la partoche. Alors que moi, en général, il me faut plus de temps. Le side reading, bon, c'est pas quelque chose pour lequel on a été éduqué, enfin, en tout cas au conservatoire de Suresnes. Donc, d'être capable de lire une partition tout de suite et de l'interpréter tout de suite. Par contre, donc ça, c'est vraiment leur forte. Les musiciens anglais, ils sont super bons pour tout de suite, immédiatement, être capable d'interpréter la partition. Par contre, au niveau de, leur son, le son qu'ils arrivent à sortir de leurs instruments, eh bien, moi, j'ai vraiment noté une très, très grosse différence avec le son, notamment français, enfin, que j'ai travaillé donc avec ma prof Nathalie Cotte, du conservatoire de Suresnes. Vraiment, il y avait une grande emphase qui était mise sur le fait d'avoir un beau son, quoi, un beau son quand tu joues de la flûte, notamment dans les aigus, etc., etc. Par contre, eux, ce que j'ai noté, c'est que le son des musiciens anglais est extrêmement venteux, enfin, avec beaucoup de vent, avec beaucoup de et il y avait peu de travail qui était fait sur la qualité, sur la finesse du son. Et donc là, j'ai vraiment senti une différence entre méditerranéenne, je dirais, avec les anglo-saxons, c'est-à-dire que ben, quand ils jouent de la flûte, c'est des robots, quoi. Alors que nous, on essayait vraiment, enfin, je pense que quand même, les Français, on essayait quand même de faire plus d'émotion, plus de travail sur la qualité sonore, la beauté de je sais pas si vous avez senti ça, vous, quand vous avez, comment? Ah, complètement, moi, je suis entièrement d'accord là-dessus. Et la discipline collective, en fait, des orchestres anglais, elle est incroyable. Qui est fulgurant. Nous, on est plus une question sans doute de tempérament et de culture aussi, plus individuel, donc plus solistique, plus dans l'expression, les phrasés, ce type de choses, la sonorité. Voilà. Ça, c'est vraiment un travail. C'est pour ça qu'on met souvent en avant, d'ailleurs, l'école française devant, parce qu'elle est, elle a un peu tout ce prestige-là. Mais je pense que sans doute le meilleur des systèmes, c'est un mélange des deux. Et je me demande s'il n'y a pas un système où ils arrivent à faire les deux, c'est-à-dire à avoir la sensibilité, je dirais plus méditerranéenne, mais avec aussi toute la rigueur et l'organisation et aussi le pragmatisme anglo-saxon, peut-être les Américains. Tout cas, je crois que de plus en plus on voit que les orchestres, les nationalités se mêlent dans tous ces orchestres un peu transnationaux. Et ben ça c'est le plus, c'est pour ça que vous écoutez un orchestre comme l'orchestre de chambre d'Europe, le Mahler Chamber Orchestra, ou ces orchestres qui mêlent des personnalités venues d'horizons géographiques diverses. Et ben ça c'est fantastique parce qu'on a vraiment des qualités très complémentaires. Ouais, ça j'ai pas eu l'occasion d'expérimenter là pour le coup dans le Woodwind Ensemble où j'étais. Ça s'appelle le Bloomsbury Woodwind Ensemble. C'était essentiellement des Anglais pour être honnête. Puis à part moi. quelques autres. Alors, très bien. Bon, bah, écoutez, fantastique. Après le confinement, vous pensez que vous allez faire ce concert avec Mademoiselle Murakami quand même? Ça va être reporté, non? Il y a plein de concerts chaque mois. Je vais avoir une. Là, pour l'instant, on est début mai et tout le mois d'avril, je devais avoir une quinzaine de concerts, par exemple. Et 15 concerts par mois, vous faites? Mais c'est carrément impressionnant, je veux dire. Et ils sont évidemment tous annulés. Donc c'est évidemment une situation. On ne sait pas évidemment quand les salles de concert vont pouvoir réouvrir. Il y a très peu de visibilité parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. On a pu être déçus. Hein, le secteur culturel a été très déçu de l'absence dans les déclarations, notamment d'Edouard Philippe, hein, le Premier ministre français, de prise en considération de ce secteur-là. Alors que la culture pèse. Hein, la culture, c'est cette fois le l'industrie automobile hein, pour le PIB français, donc très peu, à part d'un point de vue de dire les salles ne pourraient pas aller au cinéma ou voilà, mais derrière c'est évidemment tout un pan économique qui est aujourd'hui à l'arrêt et
Et donc, voilà, les lendemains, en tout cas pour l'instant, restent très, très incertains. Moi, je pense qu'il faudrait mettre en place tous ces concerts que l'on visionne en fait en ligne, quoi. C'est triste, mais ça serait peut-être aussi une voie du futur. En plus, ça vous permettrait d'avoir des gens d'Asie, des États-Unis, enfin, je veux dire, d'Amérique, qui voient aussi vos concerts. Le vrai problème, c'est la monétisation. Comment ? Le vrai problème, c'est la monétisation. Et beaucoup aujourd'hui de concerts en ligne sont gratuits. Personne ne gagne d'argent. Non, c'est pas une bonne idée, ça. Et donc, voilà. Et le vrai problème, c'est que... Le travail mérite salaire. Exactement. Voilà. Donc, donc voilà. Et l'ONU s'est d'ailleurs alarmée depuis Genève sur le fait que là, les pratiques culturelles gratuites mises en ligne sur toutes les plateformes pouvaient en fait, dévaloriser tout simplement un petit peu la lumière. Et parce qu'une fois qu'on donne l'habitude de la gratuité, si on vous donne votre baguette de pain gratuite, évidemment, vous avez du mal après à aller la payer. Il y a ça, et puis il y a aussi, il faut éviter les phénomènes de binge viewing. C'est-à-dire que le problème aussi, c'est qu'il y a, je le constate, sans rentrer trop dans la polémique, mais il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se structurer, se discipliner eux-mêmes. Et donc après, ils se lèvent à 10h du mat, ils se couchent à 1h du matin, je le vois avec les voisins, enfin, je l'entends avec les voisins, quoi. Ils regardent la télé toute la journée, ils regardent des séries toute la journée, donc faut faire attention aussi à cet accès trop sans limite au jeu, aux séries de télé, etc., etc., parce qu'en plus, c'est complètement addictif. Donc, c'est dans une part, c'est aussi un pan de la culture, mais il faut faire attention aussi à cette junk food, effectivement, vous avez raison, il faut que ça reste de la qualité, et c'est garanti, on le paye. Bon, très bien, alors, écoutez, donc, en tout cas, tous mes vœux pour que ce soit bientôt réorganisé, vos superbes concerts, mais j'imaginais pas, mais 15 concerts, mais donc, carrément, enfin, je veux dire, ça représente combien de votre activité, de votre temps, en fait, la pratique du basson en professionnel? La moitié. Ah oui, d'accord. J'imaginais pas, parce que vous n'avez jamais mis cette casquette en avant, donc franchement, vous êtes vraiment très éclectique. Hein. Alors, si vous permettez, on va peut-être un peu avancer aussi. Mais en tout cas, merci, j'aime bien, parce que vous êtes volubile, et donc vous avez plein de choses à dire, c'est super, et intéressante en plus. Donc. Donc j'ai vu que un truc aussi très intéressant, c'est que vous avez carrément, parce que c'est bien, vous avez plein de rankings sur Google, donc vous êtes en fait, vous tenez une chronique sur France Musique, hein, si j'ai bien compris. Complètement. Moi, voilà. Journalistiquement, je m'intéresse surtout aux questions de politique et d'économie de la culture. Je travaille pour différents médias, alors des chroniques régulières, à la radio, à France Musique, des reportages pour RFI, qui est Radio France Internationale, qu'on peut écouter à Londres, et puis aussi la télévision pour Mezzo, et puis beaucoup de presse écrite. Ça, c'est toujours un grand plaisir où je peux écrire. Donc, en fait, si j'ai bien compris, Antoine, vous, votre approche du journalisme, c'est vraiment sous l'angle de la culture, des industries créatives, l'art, la musique. Mais pas du tout. Dans le journalisme culturel, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de gens qui vont faire des reviews de telle exposition, de tel concert. Moi, c'est pas du tout mon créneau. Pour moi, c'est totalement autre chose. C'est-à-dire, le critique, il est par définition subjectif, et le journaliste, il tend à l'objectivité au maximum. Et moi, je suis vraiment du côté journalistique. Je n'ai presque jamais fait de critique de ma vie. J'adore aller voir une exposition ou un spectacle, mais en général, je garde mes impressions pour moi-même. Et mettre une note ou ce type de choses, moi, ça m'excite relativement. Par contre, comprendre les mécanismes qui permettent ou ne permettent pas la réalisation de ces films, de ces expositions, du marché de l'art comme celui de la musique, c'est passionnant. Parce que, et vous le savez bien, Annabelle, mais l'économie de la culture, c'est une économie mixte, publique-privée. Et en cela, elle est évidemment passionnante à explorer. En France, exactement. Et dans beaucoup de pays européens. Mais effectivement, voilà, aujourd'hui, il y a plein de modèles qui sont différents. Le modèle anglo-saxon aux États-Unis, voilà aussi, avec les questions de la philanthropie. Voilà. Et dont on voit aujourd'hui, effectivement, les conséquences et les impacts de ce modèle-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une limitation qui est vraiment, vraiment très importante pour moi là-dessus, sur les questions philanthropiques.
C'est-à-dire que par rapport, on le voit dans la crise du Covid-19, c'est-à-dire qu'il y a un véritable impact sur la santé des entreprises et comment elles vont continuer à soutenir ou pas le secteur. Ça, c'est évidemment une question majeure qui se pose. Ouais, donc, voilà, le modèle, c'est-à-dire les États, le modèle étatique, aujourd'hui, on en voit une très grande fragilité dans son soutien au secteur culturel, mais le modèle privé aussi. Donc, effectivement, aujourd'hui, le monde culturel est confronté parce qu'on peut imaginer aussi beaucoup, et on le voit dans les premiers chiffres du mécénat, par exemple, qu'on va de plus en plus aller vers les secteurs dits prioritaires, comme la santé, la recherche, plus que vers la culture. Oui, mais pour en venir à mon point quand même, Antoine, est-ce que j'ai raison de dire que votre travail journalistique, il est quand même super cantonné, mais c'est pas péjoratif, au secteur des industries créatives. C'est-à-dire, par exemple, vous n'allez pas couvrir la dernière gueulante que Trump a poussée contre le World Medical Organization, vous voyez, c'est pas World Health Organization, donc j'ai pas l'impression que c'est votre truc. Vous êtes vraiment axé culture. On est d'accord. Bon, d'accord, ok. Vous allez pas aller faire les fêtes d'hiver ou enfin, je veux dire, vous m'avez quand même approché pour faire des articles sur le secteur de l'art. Donc c'est, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le thème quand même, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est d'accord exactement sur ça? Ouais, d'accord, ok. Exactement. Pour moi, c'est vraiment… Le journalisme, ça recouvre beaucoup de choses, donc beaucoup de secteurs. Exactement. Et pour moi, pour avoir ces réseaux, ces connexions, comprendre un secteur, voilà, il faut être un minimum spécialisé. Voilà, il faut avoir un peu de spécialisation, que ce soit sur l'agriculture, le sport, la cuisine ou l'art. Parce que journaliste… Il a la même optique, hein, c'est-à-dire notre cabinet d'avocat sur Paris et Londres pour l'instant, il est aussi uniquement axé sur les industries créatives, donc la musique, le cinéma, la mode, le design, bon, aussi la tech, etc. Mais donc, effectivement, vous avez raison, on peut pas servir tout le monde, quoi. Donc, on ne peut pas tout faire, mais… On aimerait, hein, mais il y a des cabinets, probablement des journalistes aussi qui feraient tout, quoi. Mais à mon avis, vous avez raison, parce que souvent, ce que demandent les clients, c'est que aussi tu connaisses bien le secteur, l'industrie, le secteur d'activité que tu couvres. Donc, il faut aller au salon de mode, au salon de la musique, au Midem, à Cannes, enfin, quand on pouvait encore, parce que maintenant on peut plus. Mais c'est sûr que c'est plus temporaire, etc., etc. Donc voilà, vous avez un peu la même approche au niveau journalistique où vous êtes effectivement focalisé sur ces secteurs. Alors, est-ce que vous voudriez dire à nos fantastiques auditeurs où ils peuvent vous entendre? Vous auriez un podcast ou vous-même que vous avez? Bien sûr. Parce que vous avez une chronique là au sein de France Musique, donc il y a peut-être, je ne sais pas si vous voulez dire, où peut vous entendre. C'est simple, le nom de ma chronique, c'est Le billet éco, B-I-2-L-E-T, et après éco pour économie. Voilà, d'Antoine Picker, c'est mon nom. Et là, vous trouverez tout grâce aux fantastiques plateformes de podcast. Vous êtes sur Apple Podcast aussi? Exactement. Ah, très bien, d'accord. Bah, moi, je le téléchargerai alors, ça peut être intéressant. J'écoute beaucoup de podcasts, moi, maintenant. Et franchement, c'est le moment, hein, dans la crise sanitaire actuelle. Ah non, mais ça faisait déjà 2-3 ans que moi, je m'étais convertie. Hein. J'ai jamais eu la télé de ma vie, donc j'ai jamais regardé la télé. À part quand j'allais chez mes grands-parents. Pardon ? La preuve, c'est que vous en faites même des podcasts. Oui, clairement, moi j'adore. J'adore. Mais donc, en fait, effectivement, les podcasts, parce que ça permet de sélectionner l'information, quoi. Et donc, la seule radio que j'écoute, c'est FIP, en fait. Mais c'est très bien parce qu'il n'y a pas de pub, etc. Très bien. Donc, votre podcast, Le Billet Éco, que l'on peut trouver sur Apple Podcast. Parfait. Alors, comment continuez-vous vos activités, cher Antoine, pendant le confinement? Est-ce que vous pouvez vous déplacer, justement, quand vous faites votre Billet Éco sur France Musique? Est-ce que vous pouvez le faire de chez vous, ou alors il est nécessaire que vous alliez en studio? Enfin, comment ça se passe en ce moment pour les journalistes? Alors, en l'occurrence, celui-là, il est interrompu. Depuis le confinement, je n'ai plus parce que Radio France énormément en fait les programmes, donc surtout à ceux qui sont directement sur la question du Covid-19. Donc par exemple, il n'y a plus de journaux de France Culture, ce sont les journaux de France Inter qui basculent pour France Culture et ainsi de suite. Donc radiophoniquement. Ils sont à Neuilly, n'est-ce pas? Ils sont à Neuilly, c'est ça? Dans le 16e arrondissement. Ah, pardon. Justement. D'accord, FIP, ils sont à Neuilly, je me souviens. Voilà. Et non, et donc l'activité radiophonique est interrompue. D'accord. Mais par contre, l'écrit, là, je continue à écrire, bien évidemment. Ah, donc toute la radio, c'est mort, quoi, parce qu'ils veulent que vous soyez en studio.
Alors, on pourrait, je pense, le faire, mais voilà, il y a des règles. Radio France est une grande maison. Ils ont jugé, voilà, il y a des antennes. Quel manque de flexibilité. Non, mais franchement, mais quel manque de flexibilité. Ça, c'est des gens qui n'ont, excusez-moi, mais là, je vais être très, très clair. C'est des gens qui n'ont rien compris. Parce que même après le déconfinement, il va toujours y avoir des possibilités aussi de, comment dire, de d'infection. Donc, je veux dire, sur le long terme, on est pris pour, et donc, ils ont pas fait le switch pour permettre aux gens de travailler de chez eux. J'espère évidemment qu'ils vont le faire. Ça fait 2 mois quand même. Il serait peut-être temps qu'ils se bougent. Exactement. Donc là, il faudrait. Et après, voilà. Donc, c'est vraiment un fonctionnement vraiment re-questionner. Tant mieux. Ouais, vous voyez, ça, c'est typique. Hein. Attendez, excusez-moi. Mais voilà, France Culture, ça appartient à l'État. Donc, c'est mou, quoi. Ça ne change pas. C'est monolithique. C'est un dinosaure et regardez les conséquences. Ça fait 2 mois que les Français sont en confinement et ils n'ont toujours pas changé leur mode d'enregistrement du contenu. Mais c'est incroyable. Moi, je suis choquée. Ah, surtout avec les possibilités qu'on a actuellement. C'est vrai que là, on fait ça par Zoom. Il y a beaucoup d'outils qui se développent. Et d'ailleurs, je conseille à tout le monde d'avoir pris des parts auprès de ces plateformes qui connaissent un boom incroyable. Ouais, Zoom est basé à Hong Kong. Je ne sens pas que ce soit une palette. Vous en savez déjà plus que moi. Là-dessus, ouais. Bon, d'accord. Donc, en ce moment, effectivement, donc toute la partie radio, donc audio et vidéo, donc c'est mort. Et donc là, par contre, vous faites que du travail au niveau journalistique. Vous faites essentiellement du travail. Donc presse écrite. Voilà, complètement. Moi, je m'occupe aussi du principal journal professionnel du secteur musical qui s'appelle La Lettre du Musicien. D'accord. Et donc là, par exemple, c'est un journal. Moi, j'ai une équipe et là, on travaille. Vous êtes l'éditeur? Pardon? Vous êtes l'éditeur en chef? Ouais, voilà. Très bien. Et en fait, le problème là-dessus, par contre, qui se pose, c'est que c'est très compliqué pour les journalistes. Et vous l'avez dit, Annabelle, de partir en reportage, d'aller à l'extérieur. Donc, on peut faire beaucoup de choses par téléphone et ainsi de suite. Ah, mais voilà. Pas bouger. Voilà, exactement. Donc, il y a des choses qu'il faut forcément adapter. Mais donc, voilà. Parce que, justement, par exemple, travaillant sur le marché de l'art, et vous savez ça, Annabelle, je dois attendre encore là, mi-mai, pour aller in situ au port franc du Luxembourg. Ah, vous allez y aller? Voilà, et donc à partir, on a un déconfinement le 11 mai, et donc à partir de là, on peut ressortir, refaire des choses. Enfin, il y a un motif évidemment professionnel pour le faire, et en essayant évidemment avec toutes les consignes sanitaires appliquées. En tout cas, on va tâcher. Donc en fait, et donc vous avez un budget qui est alloué par votre donc commanditaire. Donc on va pas rentrer dans les détails parce que ça, ouais. Je vous laisse la primeur de l'information en temps et en heure. Donc dans cet article, ce deuxième article dans lequel vous m'avez interviewé, vous avez donc un budget pour aller là-bas dans un port franc au Luxembourg, c'est ça, ou à Genève? J'aurais sans doute pas un budget pour faire le tour du monde. Hein. Ça c'est fini. Et puis de toute façon, ça aurait été très compliqué là. Mais par contre, oui, voilà. Pour les grands portages, on arrive encore à avoir un petit budget. Alors évidemment, on le sait, hein, les médias traversent une période économique difficile, donc il faut souvent faire du système D. Mais pour autant, comme dans toute période de crise, il y a des nouveaux médias qui s'inventent. On repense aussi. Moi, je trouve ça fantastique. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé en étant pigiste pendant plusieurs années pour Le Monde. D'accord. Mais là, vous êtes toujours indépendant, vous avez avec toutes ces casquettes-là, oui, voilà. En fait. Voilà, vous êtes d'accord. Et qui est vraiment un journal archétypal, hein, de la presse. Évidemment, c'est mon rêve et j'étais ravi de le faire. Mais aujourd'hui, par exemple, je vais, et à la Star de journalistes, de plus en plus vers de nouveaux types de médias qui peuvent être soit en ligne, qui peuvent être là, par exemple. Voilà, exactement, en format où on raconte l'actualité en bande dessinée et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment de plus en plus de choses qui inventent pour créer un nouveau rapport à la presse. Moi, j'adore lire les magazines parce que j'achète plus de magazines. Enfin, je veux dire, j'ai quasiment jamais acheté de magazine de ma vie, mais j'adore dans mon abonnement téléphonique SFR. Maintenant, je me suis rendu compte, la fille qui débarque, finalement, il y a un mois et demi, je me suis rendu compte que j'avais accès à tous ces trucs sur une plateforme SFR.
Donc, j'adore lire ça sur ma tablette, en fait, sur mon iPad, le soir. Mais par contre, j'aime pas après avoir, vous savez, des tonnes de papier, etc. Donc, ça, j'aime pas, quoi. Et ce format électronique, c'est fantastique. Hein. Si tu lis ça sur ton iPad, voilà. Le téléphone iPhone, c'est quand même un peu petit. Mais vous avez raison, moi, je pense que c'est vraiment la voie du futur. Et bon, pourtant, je suis pas, comme on dit là, la génération les petits jeunes là, la génération generation. Bon, je sais plus comment on les appelle, les jeunes qui ont entre 14 et 25 ans. Mais eux, j'ai que j'ai quand même des attitudes assez similaires des leurs. Et donc, bon, bah voilà, tout se passe sur les devices, enfin sur le téléphone portable, sur la tablette. Et donc je pense que vous avez vraiment tout compris en privilégiant ce type de canon, en fait, de communication. Parce que, ouais, mais le monde, ils doivent aussi quand même avoir une édition en ligne, enfin, je veux dire, il y a Internet, il y a, ouais. Non, mais après, la conception même de ces journaux, c'est des grandes rédacs, c'est, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de médias qui repensent même leur mode de fonctionnement, leur mode superandi, de manière plus intime, moins nombreuse, et qui est vraiment chouette. C'est un peu le système D hein, qui se met en place. Ouais. Mais après, le truc qui est un peu dur, c'est la distribution, quoi. C'est comment tu fais, parce qu'il y a tellement de voix partout au niveau de la toile, quoi. Donc après, comment tu fais pour te faire entendre et comment tu fais pour fidéliser tes fans et trouver un canal de distribution et avec des gens qui sont prêts à acheter le contenu. Bien sûr. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que la plupart des distributions de journaux, elles se fait via les réseaux. C'est-à-dire qu'on ne va plus directement sur le site ou même via l'application. Quel réseau ? Ça, c'était un peu peut-être quand même notre génération, mais ouais. Via l'effet Twitter et autres. Et donc, les gens vont consommer en sous Facebook qui vont avoir tel lien d'article et ils vont y aller. Donc, pour les journaux, effectivement, il faut savoir dealer avec les GAFA. Ce qui n'est pas évident. Et donc voilà, là c'est vraiment. Vous avez vu là la CNIL, oui, je sais pas si c'est la CNIL, je crois que c'est l'autorité de la concurrence qui force, qui a mis une grosse amende à Google, ou qui force Google en fait à payer des droits de voisins aux journaux en fait, pour qu'ils puissent les lister sur les Google Rankings. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce truc-là. Et donc, Google résiste. D'ailleurs, ils ont viré tout le lien. Ils ne veulent pas payer. Pardon. Donc, alors que c'est quand même marqué dans le règlement. Je crois que c'était la directive sur le droit d'auteur quand même. Donc, c'est fou que c'est l'article 15, si je ne m'abuse. Et donc, ils refusent Google d'avoir à payer pour mettre le contenu, quoi. C'est quand même… Alors que franchement, on peut me dire qu'ils ont vraiment les poches bien remplies. Mais bon. Voilà, exactement. Donc, effectivement, ce que vous dites, c'est que… Pardon. C'est un vrai bras de fer. Un vrai bras de fer. Ouais, d'accord. Ouais, donc effectivement, il faut savoir dealer avec les GAFA et ils sont pas prêts à payer les droits d'auteur en tout cas pour l'instant. Voilà. D'accord. Et en tout cas, donc les réseaux sociaux sont super importants. Moi, je voulais vous demander aussi un petit peu, est-ce que vous estimez que vous avez des problématiques importantes au jour d'aujourd'hui dans votre casquette journaliste? Pour faire attention dans ce que vous écrivez, notamment par rapport aux problématiques, bon, de droit à l'image, mais vous n'êtes pas photographe, donc c'est pas forcément la problématique principale, mais surtout au niveau du droit au respect de la vie privée. Est-ce que vous devez, là par exemple, vous m'aviez interviewé, pour la revue Le Crieur, dont nous avions évoqué le cas des grands collectionneurs français tels que Pinault et Arnaud, hein, donc des groupes Kering et LVMH respectivement. Donc bon, évidemment, ce sont parmi les hommes français les plus connus au monde, donc on peut parler d'eux, mais quand on fait un travail journalistique, je suppose qu'on creuse beaucoup, qu'on va dans les comptes, etc., même s'ils ont des sociétés privées. Donc comment on fait pour trouver la juste mesure entre exprimer sa vie, enfin, exercer sa liberté d'expression, hein, et le droit de la presse, et en même temps faire attention à aussi pas se prendre un procès pour non-respect de la vie privée. Comment vous arrivez à trouver la juste mesure si la problématique se pose? Bien sûr. Alors, ce qu'il faut toujours repréciser, c'est que, et ça vous le savez parfaitement, Annabelle, c'est que le journaliste lui-même n'est pas attaqué, ce sera le journal, donc le directeur de publication.
ou la directrice de publication qui va se retrouver en ligne de mire principale. C'est pour ça que évidemment ils vont être très vigilants. Pour vous donner un exemple, récemment un article il y a encore deux jours, et ben j'ai eu le feedback non seulement du rédacteur en chef, mais aussi du service juridique. D'accord. Et écoutez, et lui par service juridique. Et voilà, c'est lui par un service juridique qui va dire là c'est très bien, mais pour pas qu'on soit attaqué en diffamation, quelles sont les preuves, quels sont les documents, est-ce que vous avez bien les mails envoyés, et ainsi de suite, qui vont tout checker. Parce qu'effectivement, derrière, il peut y avoir rapidement des procès en diffamation. Moi, je me rappelle l'un des premiers gros papiers que j'ai fait pour la revue du Crieur, qui est coédité par Mediapart et La Découverte. Et, alors, attendez, expliquez-nous. Donc, La Découverte, Mediapart, c'est quoi ça? C'est, enfin, je veux dire, c'est quel site d'information en ligne, donc là, pas de groupe indépendant, et les éditions de La Découverte, éditeur, là aussi indépendant. Mais le premier... Des enfants, non, édition de La Découverte, c'est surtout des publications d'enfants, non? Non, 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 pas forcément. Mediapart, il y a qui derrière Mediapart? C'est qui qui... C'est complètement indépendant, ça c'est Edu Plenet qui dirige ça, et de manière, pour le coup, totalement indépendante. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que l'un de mes premiers papiers, c'était sur Vincent Bolloré, et sa stratégie pour l'Afrique qui passe par l'entertainment, par la construction. Donc Bolloré, lui, c'est Lagardère, non? Non, si je me trompe. Et non. Alors, Bolloré, c'est... Pardon. Ah non, c'est Vivendi. Bolloré, c'est Vivendi. Il était chez... Exactement. Ouais, pardon. Je vous rassure, j'ai pas le Covid, mais juste l'allergie au pollen. Vivendi, c'est Universal, non? Exactement. Exactement. D'accord. Et donc, là, il faut être évidemment très vigilant. Parce que quand on sort, moi déjà, il y a la première vigilance, elle est la nôtre, en tant que journaliste, de recouper les sources, de lire les rapports d'activité et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui se glissent dans ce qu'on appelle le data journalisme. Hein. Il faut ressortir ça. Et après, effectivement, une fois qu'on a ça, les articles sont relus. Et donc, oui, il y a une grande vigilance. Mais après, on a quand même de la chance, c'est que il y a un droit de la presse qui est quand même largement favorable à l'information, qui reste sur tout le droit, et notamment auprès de la Cour européenne derrière, c'est que qui donne très souvent. Dis-moi, la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour européenne de justice, laquelle? C'est une très bonne question. Celle qui nous a. Ouais, peut-être les deux, il faudrait voir ça d'un point de vue technique. En s'appuyant sur la Convention européenne des droits de l'homme ou en s'appuyant en s'appuyant sur le fait que, grosso modo, quand on attaque ça et que ça finit à l'échelon européen, l'Union, enfin en tout cas les instances européennes, donnent très souvent raison aux journaux plus qu'aux plaignants. Ça, donc, c'est bien. C'est donc voilà, donc. On garde quand même. Parce que si tu t'attaques à Bolloré, je veux dire, c'est quand même une des plus grosses fortunes de France. C'est clair qu'il a le budget derrière. Exactement. Donc, elle est financière. Le journal, il est quand même dans une situation économique qui est souvent fragile. Et en face, il y a des groupes qui, eux, sont portés avec un tout autre business model. Ouais, ouais. Donc voilà, il faut quand même être vigilant, même si on sait qu'on a un cadre juridique qui reste quand même en Europe plutôt favorable. Il faut penser que voilà, dans d'autres pays, c'est pas le cas. On a encore appris aujourd'hui que en Chine, un journaliste qui avait osé faire un article un peu critique sur le pouvoir s'est retrouvé avec une sentence de 15 ans de prison. La Chine n'a jamais été mis au rang des démocraties. Hein, enfin, je veux dire. Non, exactement. Mais il faut pas. J'ai pas besoin. J'irai jamais en Chine, moi. Hein, c'est clair. Voilà. Exactement. Et c'est bien de le rappeler toujours. Oui, vous avez raison. Donc, et justement, en ces temps quand même où, je veux dire, le régime Macron a prouvé avoir des dérives violentes, notamment avec la police qui est extrêmement violente, si j'ai bien compris, avant le Covid, avec les gilets jaunes, et mais pas que, aussi des gens qui faisaient des manifestations, des femmes qui faisaient des manifestations pour la liberté de la femme, etc., juste avant le Covid, et pareil qu'il y en a pas mal qui se retrouvaient avec... avec des blessures qui avaient été faites par les policiers quand elles faisaient leurs manifestations. Donc, avec quand même un pouvoir où il y a un gouvernement qui a beaucoup tendance à utiliser la force pour, entre guillemets, faire régner le calme dans la population française. Est-ce que vous trouvez que c'est quand même toujours possible d'exprimer sa liberté d'expression
dans des façons, enfin, je veux dire, de façon appropriée, quoi, qui est dans la droite ligne de votre travail de journaliste. Enfin, moi, j'ai l'impression vraiment qu'il ne va pas avec l'eau de la cuillère, ce président et son gouvernement. Donc, voilà, quel est votre point de vue par rapport à ça, Antoine ? C'est sûr qu'il y a une vraie inquiétude, notamment, et on l'a vu, quand il y a eu ce projet de loi sur les fake news. Alors, on pouvait se dire, effectivement, on voit beaucoup passer de choses sans aucun sens, complotistes et tout ça sur les réseaux et ainsi de suite. A priori, vouloir se battre contre ça peut avoir un intérêt. Mais très vite, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on définit par fake news ? Et là, on le voit très bien quand notamment Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, reprend cette appellation de fake news pour, dans le contexte actuel, dire grosso modo, il faut suivre presque la parole gouvernementale. Toute voix critique peut devenir une fake news d'une certaine façon. Vous voulez dire, en fait, la définition de fake news, c'était quasiment tout quoi, à part les communiqués de presse du gouvernement ? Voilà, exactement, d'une certaine façon. D'une certaine façon, donc, c'est là-dessus qu'il faut être extrêmement vigilant. Et je ne défends absolument aucune théorie complotiste, et bien évidemment, absolument pas ça. Par contre, une presse critique, évidemment, qui va mettre en perspective, qui va tout simplement rappeler parfois une chronologie d'événements, des chiffres et ainsi de suite, elle est plus que jamais nécessaire, d'autant plus dans une période de crise sanitaire. Donc, il faut faire très attention parce qu'effectivement, le climat, là, du fait du Covid-19, qu'est-ce que ça donne politiquement ? Ça donne un pays où les gens sont tous, ou presque, restent chez eux, pour regarder à une dizaine de millions le discours d'un président qui parle de guerre et ainsi de suite, on est dans un contexte qui est quand même, quand on réfléchit, qui pourrait être inquiétant pour les libertés. Et donc, quand effectivement… Attendez, c'est pas que c'est pour elle, c'est qu'il l'est. Enfin, je veux dire, il y a l'interdiction de la liberté à venir. Bon, il y a un moment, il va falloir vite revenir à la normalité, là, parce que… Bien sûr, avec les autorisations. Oui, continuer. Autorisations et les inégalités qui se créent, c'est-à-dire que dans le quartier où je vis à Paris, j'ai jamais… Alors, avec ma carte de presse, j'ai pu me déplacer, mais même en dehors de ça, je n'ai jamais eu un seul contrôle policier. Et je peux vous dire que, par contre, en banlieue, notamment dans des territoires où là, les confinements sont extrêmement durs, imaginez quand vous êtes à une dizaine de personnes dans 20 mètres carrés, mais là, les contrôles de police sont sévères. Il y a effectivement eu trop, on peut le dire, de bavures policières ces derniers mois. Pourquoi la gestion des manifestations en France est aussi problématique et aboutit à ce bilan, alors que en Angleterre, en Allemagne, dans les autres pays, ce n'est pas le cas. Tout ça. Enfin, là, je peux pas vous dire pour l'Allemagne parce que j'y vis pas, mais là, en Grande-Bretagne, je peux vous dire que ça a strictement rien à voir. La façon dont la force. On n'a pas peur de la police. Ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire. Bon, d'accord. En plus, c'est vrai que Macron ne s'est pas du tout. Il a très clairement dès le départ, il a fait comprendre qu'il n'était pas très. Il n'était pas pro-journaliste, quoi. Lui, j'ai cru comprendre qu'il a arrêté aussi d'avoir des contacts proches avec les journalistes. Moi, je suis pas trop, mais j'ai eu l'impression que tout de suite dès le départ, il y a quand même une certaine un certain antagonisme, je dirais. Voilà. Bon. Donc en fait, il a voulu créer opposition avec François Hollande, qui lui était très proche de la presse, peut-être trop, certains ont pu lui reprocher, en tout cas peu importe. Et dans cette volonté de nouveau monde, c'était aussi, en tout cas, du moins au début, de créer une distance forte, de sélectionner les journalistes qui peuvent suivre le pouvoir. Et donc il y a eu beaucoup d'inquiétudes, différentes tribunes pour s'alarmer de ça dans les journaux. Et notamment quand même des journaux comme Le Monde ou Figaro s'alarment de ces dispositifs qui ne sont pas des journaux considérés comme complètement gauchistes ou en tout cas anti-droite. Voilà, exactement. Donc non, c'est que là, à un moment, effectivement, c'est sur la liberté même du. Mais vous avez senti un durcissement, par exemple, dans les commentaires que vous recevez de la direction éditoriale ou des juristes dans ce que vous dites quand vous exprimez votre liberté d'expression ou depuis le gouvernement Macron ou pas vraiment, ça a toujours été comme ça et on vous laisse quand même faire. Après, ça dépend plus aussi avec dans les cabinets. Après, il y a une question d'individualité. Moi, je suis en contact avec différentes personnes et que je peux interviewer récemment dans les derniers jours aussi bien Gabriel Attal qui est secrétaire d'État auprès de Gabriel Blanquer dans un échange qui était très constructif par exemple en l'occurrence et qui pouvait être critique évidemment et c'est notre job journalistique et qui fonctionnait très bien à l'opposé par contre par exemple un ministre de la Culture plus que jamais absent qui répond très difficilement aux interviews dès qu'ils sont effectivement qui rentrent dans la culture.
Il s'appelle comment? Franck Riester. Et donc là, voilà, des contacts plus difficiles. Donc il y a aussi une question d'individualité, hein, bien évidemment. Aussi après du dialogue qu'on peut avoir avec les différents cabinets. Et par rapport à la question des relectures, je ferai une réponse pour le coup très très macroniste. Dure en même temps. Oui, il y a effectivement une vigilance qu'on sent, mais il y a aussi une envie et un besoin. On sent bien aussi chez les lecteurs et donc d'être dans ce lien-là de papier critique par rapport à la situation du gouvernement. Il y a quand même aussi voilà ce regard-là. Et moi, une fois de plus, moi je suis aussi impressionné parce que par exemple sur cette question des bavures policières dont on parlait à l'instant, ça n'a pas été les médias traditionnels qui les ont vraiment relayés, qui ont fait le travail. Ça a été plus les journalistes indépendants, quelqu'un comme David Dufresne qui faisait cette comptabilité du nombre de bavures par les réseaux, par un journalisme en grande partie numérique. Macron a lâché les liens, il a lâché les rênes là. Il a lâché les rênes et la police agit en toute impunité. C'est vraiment en France, hein, c'est vraiment choquant. Mais d'accord, donc effectivement, c'était pas les médias traditionnels qui ont relayé. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont filmées, donc on voit beaucoup de choses. Mais on a vu des images que moi je n'aurais jamais imaginé voir en démocratie. Hein. Quand un livreur de moto est mis par terre, que des policiers s'assoient dessus et que le type meurt en plein Paris. Et on parle de ça juste à côté de la Tour Eiffel parce que le mec avait juste photographié un policier. C'est une scène des États les plus totalitaires, tout simplement, des États policiers. Moi, ça m'a fait penser d'avoir beaucoup enquêté dans des pays qui, justement, ne sont pas des pays démocratiques, où là, il y a une vraie peur dans la population, où les gens disent, surtout pas à la police, on en a plus peur qu'autre chose. Et là, quand on voit des scènes pareilles, évidemment, ça fait peur. Et en passant au moment des gilets jaunes avec ces fermetures de routes et tout ça, qui étaient, par exemple, juste en bas de chez moi, on sentait auprès des citoyens que je voyais autour de moi plus de peur qu'une confiance en fait envers l'appareil d'État qui était. Ah, je pense pas que les Parisiens ils avaient peur des gilets jaunes. Ils n'avaient pas peur des gilets jaunes. Ils avaient peur des policiers qui étaient censés gérer les gilets jaunes. Exactement. Et donc en fait il y a eu cette dérive. Une police est là. En fait tout dépend de la conception. Dans beaucoup de pays anglo-saxons ou germaniques on a une police qui protège le citoyen. Là, on est dans une police répressive. C'est un changement de paradigme qu'on acte, en tout cas, et qui peut, à plus d'un titre, être inquiétant. J'ai vu, je me permets d'avancer sur votre troisième casquette. Merci en tout cas pour ces réponses très éclairées, Antoine, et qui renforcent mon opinion qu'effectivement, la définition de démocratie est en train d'évoluer très fortement sur la France, sous le gouvernement Macron. Pas forcément bien, mais en tout cas, ce que je voulais aussi parler maintenant de votre troisième casquette, qui est donc celle d'écrivain. Donc, si j'ai bien compris, vous avez notamment écrit un superbe livre sur les plus beaux opéras du monde pour les éditions La Martinière. Est-ce que vous voulez un petit peu nous éclairer sur vos superbes œuvres qui ont été publiées donc en tant que livre ou beau livre même, La Martinière, c'est dans les beaux livres. Exactement, La Martinière, c'est complètement un beau livre. Alors moi, je n'écris pas, vous le disiez avant que vous n'étiez pas vous-même créatrice mais interprète à la flûte. Et de la même manière, moi, je n'écris pas de la fiction où j'inventerai des histoires, j'écris des essais. Je serais incapable, de la même manière, je ne suis pas compositeur, interprète, et je ne suis pas écrivain, et je suis plutôt journaliste et auteur d'essais. Ces essais, j'ai pu les faire à chaque fois. Pour moi, ce qui m'intéresse dans la culture, c'est pas des vues, on va dire, ultra focus sur un seul aspect, par exemple, écrire, je sais pas, une monographie d'un architecte ou d'un écrivain du 17e siècle et d'y consacrer 600 pages, qui a des démarches universitaires absolument splendides là-dessus. Je suis pas universitaire moi-même. Et par contre, moi, ce que j'aime, c'est faire des liens. Mon premier bouquin, c'était Comment Stanley Kubrick, fantastique réalisateur, utilise la musique. Au Design Museum sur le travail de Stanley Kubrick, là, qui était fantastique. Mais je l'ai vu deux fois d'ailleurs, tellement j'ai aimé. Ah ben, et ben voilà, vous voyez, c'était qui est magnifique musique à près de South Kensington, à Londres, le Design Museum d'ailleurs. Attends, j'ai pas suivi là. Qu'est-ce que vous avez dit? Pardon. J'ai dit le Design Museum pour rebondir, qui est à Kensington et qui est un magnifique musée londonien, enfin, moi que j'adore. Voilà.
Tout à fait. Et cette exposition en particulier, elle était fantastique. Et alors, excusez-moi, vous avez écrit effectivement un truc sur Stanley Kubrick, donc vous voulez bien nous expliquer un petit peu ce que vous avez fait pour les éditions du point d'exclamation par rapport à Stanley? Donc c'était vraiment sur l'utilisation de la musique dans son œuvre, comment il travaillait les bandes originales. Et donc c'est vraiment toujours faire des liens. De la même manière, la Martinière. Ah, c'est ça que vous appelez les écrans sonores, en fait, c'est les BO, quoi. Enfin, les bandes originales de son, en fait. Ah, fantastique. Voilà. D'accord. Et ensuite, j'ai fait, donc, par exemple, cet ouvrage de la Martinière, c'était vraiment pour faire le lien entre l'architecture et la musique, parce que c'est ces temples que sont les opéras ou les salles de concert, les raconter sous format d'un beau livre. C'était pour la Martinière, sous format d'un livre un petit peu plus spécialisé, on va dire, technique, avec des entretiens, avec des architectes, des acousticiens. Ça, c'était pour les éditions parenthèses. Et puis, normalement, j'aurais dû avoir, le mois dernier, mon dernier livre qui sortait, évidemment, la sortie a été présentée. Et c'est un atlas de la culture qui analyse la culture sous son angle géopolitique. Et c'est aux éditions Autrement. Attendez, vous allez un chouïa trop vite pour moi. Donc, vous avez fait les plus beaux opéras du monde pour les éditions de la Martinière avec un photographe qui s'appelle Guillaume Delobier. Donc, vous écriviez le contenu écrit et Monsieur Delobier fournissait les clichés, n'est-ce pas, de tous ces opéras. Donc, ça, c'était en 2013. Donc, après, vous avez mentionné en 2016, là, je crois, les espaces de la musique, architecture, des salles de concert et des opéras, ok. Donc là, effectivement, pour faire le pont entre la musique et les opéras, et l'architecture. Et maintenant, pardon, vous étiez en train de dire quoi? Ce qui est en train de sortir, enfin, qui va sortir très bientôt. Excusez-moi. Voilà, il devait sortir au 1er avril et ce n'était pas une blague. Et donc, il va être décalé à septembre parce que c'est évidemment lié au problème de confinement et vous savez, toutes les librairies sont fermées et ça a impacté la filière de manière évidemment très, 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 très compliquée. Donc, normalement, début septembre... Attendez, il est sur quoi celui-là qui va sortir? Pardon. Il est sur quoi celui-ci? Et c'est l'Atlas, ça s'appelle un Atlas. C'est l'Atlas de la culture. Et c'est analyser le monde sous les questions culturelles. C'est-à-dire, l'idée est de montrer qu'en fait, les grands rapports géopolitiques... Attendez, vous avez écrit un Atlas, Antoine? Oui. Il fait combien de pages? Ah, il fait une 150 à peu près, 160, un truc comme ça. Donc, voilà. Vous êtes un bourreau de travail, vous arrêtez pas. Attendez, vous faites 15 concerts par mois. Vous passez votre temps à m'interviewer pour des articles. Et vous faites aussi travail radio et vous avez le temps de faire un atlas de 150 pages. Exactement. Il y en a qui font de la cocaïne, il y en a qui font plein de choses. Et ben moi, j'écris. Voilà. C'est pas mal comme drogue. Non, mais attendez, mais vous bossez combien d'heures par semaine, plus ou moins? Ah, tout le temps. Non, je suis effectivement pas dans les 35 heures. Le week-end aussi? Mais le week-end. Parce que c'est, en fait, plus que du travail, c'est de la, voilà, c'est une passion. C'est de la passion, et voilà. C'est-à-dire que, mais c'est vraiment au sens de drogue, c'est que j'en ai besoin. Un atlas de 150 pages va sortir en septembre, d'accord. Et donc, c'est sur l'angle, c'est voir le monde sous l'angle de la culture. Exactement. C'est-à-dire que, montrer comment, en fait, aujourd'hui, les rapports de force, on a souvent dit, notamment dans les années 90, beaucoup que la culture, c'était une sorte de soft power. C'était théorisé comme ça. Et en fait, aujourd'hui, moi, ce que je montre, c'est que la culture, c'est un hard power pour les nations. Parce qu'en fait, en 20 ans, un hard power, c'est plus du tout soft. Hard power. D'accord. Ouais, voilà, votre anglais est bien meilleur que le mien, Annabelle. Merci. Je suis à Londres juste depuis 16 ans, 17. Voilà, exactement. et je suis complètement parisien. Donc voilà, le tunnel sous la Manche réuni, mais pas tout complètement. Ouais. Donc c'est un hard power selon vous, d'accord? Pourquoi? Exactement. Et parce qu'en fait, en 20 ans, à peu près, les conflits au sens traditionnel, les guerres traditionnelles ont diminué de moitié. Merci. Mais en fait, de nouvelles zones, de nouvelles formes de tensions ou de rapports entre les nations se développent à fond. Alors, bien sûr, le terrorisme en est une, les guerres commerciales qu'on a pu voir entre la Chine et les États-Unis en sont une. Et en fait, la culture et même on va vers de plus en plus des guerres culturelles. Il suffit de voir les grands projets. Les nouvelles routes de la soie, par exemple, lancées par la Chine, c'est un volet culturel immense. Regardez la Chine-Afrique, pareil. C'est quoi les nouvelles routes de la soie? Vraiment, tout ce projet initié par le régime de Pékin pour recréer en fait tout un axe commercial de la Chine à l'Europe. En et en fait, d'accompagner ça par les universités, exactement, d'accompagner ça par les universités, par les salles de spectacle et ainsi de suite. Parce que... Je pense que... Alors, effectivement, on peut citer la Chine, mais je pense que les États-Unis, ils ont compris ça depuis très très longtemps. Ah bah, bien sûr. Avec Hollywood. Voilà.
Exactement. Mais je montre qu'il y a Hollywood, mais qu'en fait, les deux premiers producteurs avant Hollywood de films dans le monde, par exemple, c'est d'abord Nollywood en Inde, et après Bollywood en Inde, et après Nollywood au Nigeria. Et comment ce pays, le Nigeria, s'est développé par le cinéma. Donc, en fait, on voit que le monde, il y a vraiment cette question culturelle, elle est pas du tout accessoire, elle est bien au contraire, évidemment, centrale, aussi des industries créatives. Et donc voilà, mais donc ce sera pour début septembre. Alors, comment s'appelle ce fantastique ouvrage et où est-il publié, s'il vous plaît ? Alors, donc, c'est l'Atlas de la culture et c'est déjà aux éditions Autrement. Très bien, très bien. Donc, voilà. Je pense que je l'achèterai en temps et en heure. Je le conseille à tout le monde. Et vous avez fait ça seul ou avec des co-auteurs ? Il y a des cartographes, il y a des designers pour les datas et ainsi de suite. Mais en termes de contenu même, non, ouais, seul. Eh ben, dis donc, quel homme. Bon, très bien, parfait. Oui, alors j'ai vu aussi notamment dans votre chronique que vous tenez d'habitude pour France Culture que vous étiez aussi pas mal intéressé par l'impact donc du Brexit sur la culture. Vous voulez nous en dire en deux, trois mots ce que vous en pensez de l'impact du Brexit sur la culture ? Parce que moi, j'avais jamais pensé que ça aurait un impact particulier sur la culture, mais enfin, maintenant que vous avez mis le doigt dessus, peut-être que... voilà, puisque notre cabinet est basé entre Paris et Londres, donc moi, ça m'intéresse de savoir quel est votre point de vue sur comment le Brexit va impacter les industries créatives, notamment. En fait, ça peut être soit une bonne ou une mauvaise nouvelle. Ça peut être une mauvaise nouvelle, a priori, évidemment, on a vu le monde de la culture vent debout hein, contre le Brexit, parce qu'on ferme les frontières, donc on limite les possibilités de tourner, par exemple, les artistes anglais à l'étranger, et on complique aussi, par exemple, la venue d'artistes étrangers, notamment européens, depuis Erasmus, déjà dans les... Et puis, si je puis me permettre d'ajouter, c'est qu'il y a d'autres industries créatives, donc ce n'est pas que la culture, mais des industries créatives telles que la mode, le design, etc. 90% de leur chiffre d'affaires, il est fait à l'étranger, il n'est pas fait en Grande-Bretagne. Donc, évidemment, le fait que maintenant, ils doivent se taper potentiellement dans le futur des droits de taxes, enfin des droits de douane et autres taxes, ça les rend fous, quoi. Donc, voilà. Plus les difficultés aussi, comme vous l'avez dit, d'obtenir des visas pour leur staff qui très souvent viennent de Paris parce que enfin vous voyez d'Europe voilà donc oui d'accord pardon excusez-moi je vous ai interrompu non mais complètement c'est vraiment ça et donc mais sinon d'un autre côté là où ça pourrait être une bonne nouvelle c'est en fait si en sortant des lois communautaires qui régissent notamment de taxes en Union européenne pour le marché de l'art et ainsi de suite, et bien de devenir voilà, une sorte de paradis fiscal. C'est clair. Je vois tout à fait la Grande-Bretagne devenir un paradis fiscal. Alors ça, donc à ce moment-là, ça peut avoir un intérêt pour le marché de l'art. À la Suisse, hein, à la Suisse. Voilà, exactement. Attendez, avant la levée du supplémentaire. Voilà. Mais en fait, c'est marrant parce que les Anglais, ils détestent qu'on dise ça parce que en fait, la majorité des gens qui ont voté pour le Brexit en Angleterre, bah, c'est des gens pas tellement éclairés, ils s'en foutent complètement que la Grande-Bretagne devienne un paradis fiscal, hein, parce qu'ils n'ont pas les incitatifs pour que. Donc en fait, évidemment, les conservateurs ne vont pas le dire ça parce qu'ils sont populistes et donc mais je vous confirme à 350% que c'est l'idée quoi, c'est qu'après la Grande-Bretagne devienne complètement un paradis fiscal avec notamment d'ailleurs il me semble que Johnson a donné l'accord pour les ports francs, la création de nouveaux ports francs. On en avait parlé d'ailleurs quand vous avez fait votre article pour Le Crieur, et effectivement un taux de TVA bien inférieur, virer le droit de suite qui est donc un droit qui a été imposé en Grande-Bretagne du fait du droit européen lors des ventes des artistes à leur famille. Enfin bon, d'accord, ok. Donc vous voyez ça, bon, bah, très bien. Donc effectivement, c'est ça peut être un peu une bonne ou une mauvaise nouvelle. Ouais. Je suis d'accord avec vous à 100% sur ce que vous dites. Dans laquelle on est, hein, c'est-à-dire que évidemment, je suis un artiste musicien. Là, je me dis, je suis dans la merde. Hein, là, et même moi, je vais vous dire. J'ai beaucoup travaillé avec des orchestres anglais, ce sera beaucoup plus compliqué pour eux de me faire venir que ça n'est le cas aujourd'hui, bien évidemment. Vous pensez que les Français ils devront avoir un visa, obtenir un visa professionnel pour aller jouer dans Il peut y avoir plein d'exceptions. Et normalement, c'était justement cette année qui était charnière pour l'affaire. Là, avec le Covid-19 et tout le bordel,
entre guillemets. Mais c'est évidemment, ça va rabattre pas mal de cartes. D'accord, d'accord. Bon, bah écoutez, donc super. Bah écoutez, je pense que moi j'ai fini avec mes questions. Donc, vraiment, je suis ravie d'avoir pu vous parler de façon plus approfondie, Antoine, parce que vous êtes un homme. Enfin, c'est rare de voir des individus qui arrivent à avoir 3 ou 4 casquettes comme ça et être très bon dans tout ce qu'ils font, dans toutes les 3 casquettes. Non, mais on essaie juste ça. Comme on a tous peur de mourir, alors on essaie de faire le maximum avant. Hein. Là qu'on a tous peur de mourir, c'est qu'on sait très bien qu'on va tous mourir à un moment ou à un autre. Donc voilà, il faut, comme disent les Anglais, burn the karma, c'est-à-dire brûler le karma, quoi. Pour, voilà, c'est pour avoir le maximum d'expérience et aussi de laisser sa marque sur l'humanité. Bon, bah, fantastique. Je vous souhaite un excellent. On est le 1er mai, en fait. Vous n'étiez pas censé bosser aujourd'hui. Oh! Parce qu'en Angleterre, on travaille le 1er mai, mais en France, il me semble que c'est un jour férié. Exactement. Mais c'est vous qui avez choisi la date, hein, alors ça va. Exactement. Très bien. Portez-vous bien, Antoine. Merci énormément. Thank you for listening to our podcast Lawfully Creative, produced by Griffovy Studios. Subscribe to our podcast or catch up with our original shows on iTunes, Spotify, Deezer, Stitcher, YouTube, Anchor, and many more podcast aggregators and platforms. Please leave a review and rating about our podcast to encourage others to discover our creative content. Thank you.